Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Papa Commode. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Minecraft, puis Forge pour la version 1.7.10 de Minecraft, bien sûr. Puis quelques modes que j'utilise pour les aventures de Papa Commode. Dans la liste que j'installerai aujourd'hui, donc il y a Optifine HD, Voxel Map, Craft Guide, Weapon Mod, Archimedes Chips et Millénaire. Pour commencer, on va installer la version GRE de Java, celle recommandée par Mojang. C'est la version propriétaire d'Oracle. Les lignes de commande se trouvent sur mon blog. Il n'y a juste qu'à ouvrir un terminal et copier les lignes de commande et puis laisser faire la suite. Il va falloir que vous validiez certaines actions. Donc la première, tapez O et puis Entrée. Au premier panneau, juste Entrée. Avec les flèches de direction sur Oui, puis Entrée. Voilà, l'installation de Java est terminée. Maintenant, on va passer à l'installation de Minecraft. On va faire un clic droit sur l'archive. On va aller dans Propriétés, Permissions, et on va cocher la case Autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Fermer, puis reclic droit, Ouvrir avec Oracle Java 7. Une fois le launcher ouvert, allez dans New Profile. Dans Profile Name, mettez 1.7.10 par exemple. Après, il faut aller dans Use Version. Choisissez la version 1.7.10 et Save Profile. Une fois que c'est fait, lancez votre Minecraft sur ce profil. Fermez-le. Pour installer Forge, n'oubliez pas de cocher la case Exécuter ce fichier en tant que programme dans les propriétés, puis clic droit sur l'archive, Ouvrir avec Java. La fenêtre du mode installeur apparaît, laissez cocher Install client et Valider.
une fenêtre d'erreur est apparue. J'ai corrigé ça hors vidéo, juste en créant une partie sur le profil qu'on avait créé avant. Et en relançant l'installeur de Forge, normalement l'installation doit aller jusqu'au bout. Voilà, Forge est installé. Maintenant on va retourner sur Minecraft, on va ouvrir le launcher, choisir le profil Forge qui a été créé par l'installer mode et lancer Minecraft. Donc on voit qu'il y a un bouton mode qui a été créé. En cliquant dessus, on peut lire la liste. Donc Forge est bien installé. On ferme Minecraft. Maintenant, on va aller chercher le répertoire.minecraft. On ouvre les dossiers personnels. Donc on fait un CTRL-H pour afficher les fichiers cachés. On ouvre le point Minecraft, on ouvre le répertoire mode, et maintenant on va faire glisser toutes les archives sauf Millénaire et Forge qu'on n'a plus besoin de toucher. L'installation de Millénaire est un peu particulière, donc il faut extraire l'archive. Donc un clic droit, extraire ici. Maintenant on a un dossier décompressé sur le bureau. On ouvre ce dossier, il y a un sous-dossier à ouvrir aussi. Et on copie les deux dossiers et l'archive jar que l'on colle dans le dossier mode. Donc on ferme le tout. Et on lance Minecraft. Sur le bouton mode, on a la liste de tous les modes installés et on peut vérifier que tous les modes qu'on a copiés dans le dossier sont présents. Il n'y a plus qu'à fermer. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura servi. N'hésitez pas à poser un commentaire ou un j'aime, tout simplement. Ça me servira pour la suite. Pour les liens utiles de téléchargement, ils seront dans la description de la vidéo. Et plus d'informations sur mon site papacommode.fr. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de Papa Commode.